Qui là est souterrain matin là avec nous et spécialement la presse en général présence nous matin là souterrain expliquer quoi nous dit c'est un signal nous vinn voyer by l'état haïtien qui en connivence avec et code de vie pour vinn prendre terre vinn casser mes paysans pitobeyo nous même nous relais Joseph Moliette porte-parole OPVW paysans victimes pitobeyo. Nous venons dire l'État haïtien nous demander pour yo accompagner nous, pour yo irriguer zone pour nous, pour yo ouvrir canal là qui déjà presque ok pour nous, pour yo venir accompagner nous, ben nous semences, ben nous techniciens pour nous capables pour du manger, pour nous voyer bay gros chabra qui dans porte au prince, pour yo manger, pour yo suspendre manger manger chinois, mais nous venons dire l'État pas casser point nous retirer terre pour nous faire manger, pour nous voyer bay yo, pour yo manger. Pour yon bay code de vie terre en connivence avec yon groupe moun. Et la zone France, c'est un laboratoire qui travaille. Yon tenté l'autre jour avec yon groupe moun. Yon wè sa pa marché. Yon utilisé bandit. Yon wè sa pa marché. Quand yon utilisé yon groupe moun qui gagne, chaque moun nan groupe moun sa yo gagne 2-3 moun yap mené. Nous gagnons prêtres, nous gagnons les pasteurs, nous gagnons groupe organisation, parti politique, en dedans un groupe qui composé qui est l'État Liconado. Laboratoire Zone Franche là continue de travailler, yo utilisé Mossa groupe Mounzayo pour faciliter yo capable entrer sous territoire haïtien, vienne prendre toute terre qui capable faire manger yo, vienne mettre béton là-dedans pour Conado ça vienne facilitateur pour yo. Parce que chaque monde dans le groupe monde qu'on a de ça, yo dit zone franche, après yo fin facilite yo rentrer sous territoire, vin prendre ça de concert avec l'État haïtien, et bien yo chaque monde sa yo, gagnent pour gagner 3 carreaux de terre dans terre. Nous dit l'État, camper sous décision ça, avec tout groupe gang nan qui est le Conado, pour yo camper sous ça, pour faciliter zone franche, je dis à nous dit, au lieu que pour yon accompagner zone franche, mais c'est plutôt accompagner paysans, Bitobert, Maribao, pour arroser Tessayo. Et bien, dans 3 mois, dans 4 mois, nous avons dit nous-mêmes, peuple haïtien dans zone là, nous avons pris un souffle, nous avons bien sacré les manger. Laisse ça, nous avons soulagé l'État. Nous pas trop dépendre de l'État parce que nous avons une activité, pas nous. Mais si l'État retire Tessayo, ben nous, de concert avec Conado, eh bien, bon, garantie, l'État, si vous avez dirigé tout bon vrai, ou pas qu'à supporter bagay ça. Parce que je dis, hein, gardez un manioc là, 4 moun pas qu'à lâcher un pied manioc. Eh bien, si l'État retire, finalement, est-ce que c'est le matériel de ça qu'à manger? Non. Eh bien, c'est ça qui va nous dire, nous demander pour être capable d'accompagner nous, au lieu que vous retirez. Je dis à nous dire désormais, l'État, DGI, Conado, Zone Franche, Dominicain, qu'ap rentrer sous terre, nous même paysans victimes bitobe, n'ap goumé avec 4 entités de moun sa yo. Et nous croyons que c'est nous qui fait victoire, parce que victoire finale là, c'est pour peuple lié. Jodi a nous dit que population, nous pas jamais suspendre goumé, nous pas goumé. Si l'État comprend li ka tire population, il ka tire tout peuple là, eh bien, il y a bien une bataille là. Mais si on pas tirer la population, il n'y a pas qu'à tirer le peuple là. Finalement, bataille là, ce n'est pas yo qui a bien, mais c'est population, c'est peuple haïtien, c'est moun Pitobert, c'est moun Maribao, c'est moun Ferrier, c'est moun Wanamet, moun Nord-Est, haïtien en général. Je dis à nous dire l'État haïtien, merci parce que vous voulez venir prendre à nous. Mais nous regrettons ça pour vous, nous disons Conado. Merci parce qu'on voulait venir prendre à nous, mais nous regrettons ça pour vous, ou pape Capran. Voix pète, c'est pas bon. Voix pète, c'est pas bon. Merci. Qui ça, Conado en lui-même lié, et puis à part de mouvement ça qui nous fait aujourd'hui,
qui est-ce l'autre nous compter encore une fois et mettez sous pied. Bon, femme d'ou bien, mouvement ça, m'a répondu en partie dans la question, mais n'importe l'autre dans l'intervenant, qui a toujours enchaîné avec moi. Et m'a d'ou bien, mouvement ça, je dis, l'Igien pour le camper, jusqu'à ce que l'État haïtien légalise tout le monde qui est sous terre. Mouvement ça, l'Igien pour le camper, jusqu'à ce que l'État haïtien arrose tout pleinement. Mouvement ça, l'Igien pour camper, les chaque paysan, qui a droit à manger dans l'assiette, qui a droit à manger dans le polio, qui a droit à nos prières pour être capable de manger à travers le canal. Sinon, nous gagnons pour une bataille contre les haïtiens, contre les Codevi, contre Conado, jusqu'à ce que ça finisse. Et question Conado, je vais vous donner un collègue, un paysan. Mais qui gagne des tendances, ils ont tendance autorité et ils ont tendance paysan, m'a baye enchaîné avec moi sur question de Conado. Qui ça Conado est? Conado, c'est une stratégie que zone franche utilise pour pointer paysan. Le fait que paysan yo, là, ont fin tendre nouvelle ça, ils ont commencé à dire zone franche, ou pas qu'à pointer plutôt bien, et le fait que population a toujours plaigné que code de vie pas réglé en rien comme développement de la communauté, eh bien, ils ont dit, ils ont créé un comité qui peut gagner plusieurs secteurs là-dedans pour yo baffer population, pour yo bluffer population, pour montrer population que yo peut faire développement. Mais malheureusement, c'est l'argent qui unit le comité ça. Malheureusement, c'est poche comité ça qui compte. Parce que l'argent tellement gros, il n'y a pas de comité ça qui nous a la possibilité pour réfléchir avec tête et vous préférez réfléchir avec ventre. Vous pas réfléchir avec tête pour qui ça? C'est parce que le 20, vous fait lancement officiel là en dans Côte d'Ivoire, le 21. Et DGI, vous avez papier pour demander paysan yo pour y aller déposer dossier côté que pour montrer que vous fermiez l'État dans DGI Wanamet. Ça veut dire que vous pas même baille population en titan pour au moins que vous prenez un bloc là, vous avez agi, vous fait ça, c'est parce que vous pas réfléchi avec tête. Vous avez dit que la mairie n'a demain ça? La mairie pas impliquée. C'est vrai que moi, dans le comité, il y a un homme de maïs qui là. Et moi, j'ai essayé de faire explication ça plusieurs fois avec la presse. Je me suis dit, monsieur Conado, ça a population a demandé pour faire bac. Conado n'est pas un secteur qui peut faire développement vrai. Mais Conado, moi-même, je définis comme ça. C'est Conseil national des Dominicains. Son groupe colonois qui pensait que c'est Dominicain. Qui ont mis les paysans dehors. Eh bien, moi-même, comme magistrat, ma compagnie est là, et ma passe nous, Guillaume, qui est un paysan, qui a défendu les paysans, qui peut prendre la parole dans vos citines. Merci. Pas qu'on y a le prendre sur cette communauté. C'est 20 ans que la zone franche a gagné Wanamet. Et depuis qu'elle a implanté la zone franche Wanamet, depuis qu'elle a mis le groupe paysan, qui a mis dans le chômage dehors sous terre, elle a dit qu'il y a de l'eau potable, il y a de courant. Et m'a profité de la presse. Journée jodi a même l'eau que moun kap travay en dans zone franche yo pa bon. Haïtien kap travay en dans zone franche yo pa bon. L'eau tellement pas bon. L'eau tellement pas bon. L'eau haïtien yo bwè c'est pas l'eau sa dominicain yo bwè. Et question courant qui a parlé de l'IA, c'est 20 ans que population a tant de messages depuis les zones franches a vini, yo pa jamais mette courant. Et m'a dit nous tout le monde qui comprend ces bluffs parce que même code de vie peut-être lui pas produit courant, c'est acheter courant. Je ne comprends pas comment pendant code de vie acheter courant et code de vie venir mettre le courant. Alors précisez pour nous, Maïssa, est-ce que c'est de l'eau ouvrée ou à bré ou du moins de l'eau utilisée? De l'eau ouvrée ou à bré ou pas bon. Il y a un pile de monde qui dénonce ça. Mais malheureusement, zone franche une stratégie. Li meton babouket nan bouche tout moun ki ta supposé prendre décision yo. Jodi an, si moun ki ta supposé prendre décision yo, yo pa gen babouket nan bouche yo, zone franche ta gen arrangé déjà. C'est parce que yo gon babouket nan bouche yo qui fait que zone franche pas arrangé. Comment comprendre que genyen moun kap travay nan zone franche depuis les zones franches existé, depuis en 2002, moun yo a travay nan zone franche. Jodi an, le fait que j'en fais bloquer un bureau qui est le bureau affaires sociales, il mettait en deux poches lui.
Eh bien, je dis, chaque monde y a prévoqué. Le fait que vous évoquez mon enfant, vous dédommagez mon enfant, eh bien, vous tout bas mon article 42. Vous dites mon enfant, c'est voler, le voler. Et là, vous finissez l'article 42, vous ne pouvez pas qui pourrait revendiquer pour vous, parce que le bureau d'affaires sociales n'a pas existé dans la zone. Il y a un peu d'autres habits qui ont fait. Bon, je dis, nous pas dans l'habit, mais nous là pour nous dire que c'est mascarade qui a fait, ce n'est pas développement qui a fait vrai, parce que vous avez 20 ans souterrain. Si vous tapez nous courant, vous tapez nous déjà. Si vous tapez nous de l'eau, vous tapez nous de l'eau déjà. Et vous êtes tellement pas capable de nous de l'eau, même haïtien qui travaille dans une franche, c'est vieux de l'eau à boire. Merci. Il faut devenir une réalité. Et c'est peut-être ça que les paysans prennent l'initiative pour que non seulement ils viennent avertir, ils viennent annoncer l'État, que ils même avec propre force, et ils ont fait ça déjà, que l'État est campé, et je dis à eux de l'État que ils même ils parlent fait canal là. Et en d'autres termes, donc nous venons dire tout à moun qui a l'esprit pour que ils viennent envahir les paysans pour mettre le béton sous l'eau. Et c'est ça qui fait que nous faisons allusion avec question l'État qui pas décidé de finir canal là. Et puis nous venons marrer avec plan qui gagne pour venir craser, pour venir mettre les paysans dehors sous terre pour craser plat à terre production nationale là. Nous venons mettre deux projets ça ensemble et je dis à nous dire nous camper en face projet ça pour un projet à côté que nèg a marché pour terre dans mes paysans pour venir mettre paysans dehors pour venir craser agriculture. Un projet à côté que l'État pas décidé irriguer plaignant pour faire paysans faire manger et c'est ça qui a nous la vie ça nous gagne aujourd'hui. C'est ça que nous inflation ça en inflation plus que 26% côté que aujourd'hui que monde dans pays pas vivre. Donc nous-mêmes en tant que mouvement social cap corré lutte paysan c'est dans optique ça qui va aujourd'hui nous là nous vinn dire paysan que pas pour quoi que pas ta ouvrir à corré pour permettre à ce que paysan grand monde tête dans affaire la manger. Nous vinn dire impérialiste capitaliste qui gagne projet tout est fertile en dans pays là. Pour mettre béton sur nous, nous venons dire projet ça, son projet l'homme, son projet à côté monde pas vivre, et nous capons à fastri, nous capons doubout, nous pas mourir. Paysans, toute presse, la presse parle et écrite, télévisée. Je dis à nous présents dans bout de ça pour que nous voyons un message clair by monsieur Colonel, monsieur Patrick, qui a passé dans le pays, mais qui n'a pas connu la réalité du pays. Je dis à nous dire, t'es plutôt bien, pas pour mettre béton encore. Et nous venons là, nous avons deux significatifs. Un, que ce canal là puisse tourner comme une réalité, normale. Deux, que zone franche vienne avec groupe colonial, vienne servir avec vous, vienne sale image. Comme nous connaissons quelques mounes, nous faisons crédit toujours. Nous-mêmes, nous disons bataille qui vient mener là, c'est pour une bataille en jouet. Ce n'est pas bataille 2000 là, c'est pas bataille 2002. Et je dis, nous venons défendre tête ça. Si vous tapez avec toute rigueur, nous disons paysans, et bataille n'est pas qu'on fait en jouet. Et nous disons, jour paysan, va m'en examiner, c'est jour malin. La presse, écrite à télévisée, nous saluons différentes autorités qui sont présentes là. Nous saluons paysans de manière particulière. Je dis, nous présents dans le cadre d'activité ça. C'est notre objectif pour courir bataille paysan à mener à travers tout pays pour permettre à ce que pays a grand monde tête lui dans affaire la manche identifié ou non. Nous pas nous c'est Joseph Mackenzie, nous c'est représentant bataille ouvrier. Donc bataille ouvrier une organisation qui trouvait en dans une coordination qui c'est coordination résistance contre d'appui en fait sous des paysans dans nord à nord-est. Nous pensons que c'est notre objectif ça qui fait jodi à nous là. Jodia, nous venons dire à l'État haïtien. Donc nous venons rappeler pour la communauté haïtienne. Nous venons rappeler pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du canal. L'importance de la rôle qui peut jouer dans la vie de la population haïtienne. Jodia, nous pensons que ce canal est un canal qui a commencé depuis en 2014. Pour initier ce canal, l'activité a commencé en avril 2014. Le canal a commencé le 11 juillet 2014, et c'était un canal, un projet qui était là pour 3 mois. Depuis 2014, à jour aujourd'hui, le canal n'a pas jamais fini. Et qui ça baille comme impact négatif dans la vie haïtienne. Il baille comme impact plus que 3 000 hectares de terre
qui périt par ces fiers. Puisque 3000 hectares de terre, puisque 3000 familles paysans qui mourent avec grand goût. Je dis à la pleine Maribaro, pour moi qui ne connais pas la pleine Maribaro, c'est une pleine qui était très riche, qui était fertile. Je dis à tout paysan, sont cherchés en milliers, côté de plus de pauvres, plus de monde grand goût, c'est un millier de paysannerie pour nous pour garder. Je dis à nous venons dire. Mais adjoint commune Wadamet, je dis à moi présent dans un gros sitting ça que paysan Romari Barou avec Bamari Barou a fait pour combattre et code de vie avec l'État haïtien, avec un petit groupe nègre qui est le Conado, qui voulait prendre tes paysans yo, pour bailler plus de 65 carreaux de terre à code de vie pour venir mettre béton. Je dis à moi-même comme magistrat moins présent, c'est parce que démarche président Jovenel Moïse t'a fait pour te prendre une prise dans rivière Massacre, eh bien, moi ouais, c'est que c'est rêve ça que monsieur même yo vinn tirer. Yo vinn tirer rêve ça. C'est parce que Dominique après que yo t'ai fini prendre plus que 11 prises dans rivière Massacre, yo t'ai sermenté pour que nous pas prendre prise ça. Et yo te sermenté yo dit c'est Corvin a fait yo a campel et bien jodi a nous wè que de concert avec zone franche yo vle tirer rêve côté que n'a prend prise de massacre la prend pour arroser terre nan wo avec Bamari Baou. Je dis en présent nan mouvement ça avec qui sentiment à participer qui j'relé moi même relé yo lèt bal yo lèt ou présent là jodi a pour qui ça pour travail canal là. Parce que si je n'ai pas un plan canal là, je ne peux pas vivre. Parce que nous sommes tous les paysans de grand goût. Et sans canal là, nous ne pouvons pas vivre. Parce que les femmes, les garçons, si je n'ai pas manger, nous ne pouvons pas vivre. Parce que si je n'ai pas tête ensemble, nous avons une chaîne de garçons et femmes. Et le problème est difficile. Parce que si nous avons un nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de la pluie, nous n'avons pas de jardin pour nous manger. Et nous, même ces femmes qui nous mesurer et nous nous prendre pelle, nous prendre où nous cercler, nous vivre avec tout le monde. Moi-même, j'ai 9 timons. Papa, je vais aller dans le bar, je vais. C'est la culture qui fait ma vie, ça m'a créé. Mais si je travaille pour les zones franches, pour les zones franches, ça nous gagne, ce n'est pas bon pour nous. Vous faites garder dans la zone, non? Oui, je fais garder. Et qui sont plantés? Planté le maïs. Tout fruit, j'ai eu pied du riz, parce que mieux qu'on nous pas à planter parce que nous n'avons pas gagner. D'accord, merci. Merci. Franche, les points. Pour nous voulons pinga by zone franche, pour nous dire cette fois-ci 2022 par 2002. 2022 par pas jamais 2002, parce que paysan yo, avec tout acteur qui concerné en dans communauté, pas accepté que yo vienne mettre paysan au dehors, pendant que bon groupe paysan ont mis dehors déjà. Après plus de 20 ans, paysan ça yo toujours dans la rue. Gon plan de compensation sociale qui pas jamais appliqué, c'est après un pile goumé au bas paysan un petit bout de terre. Jusqu'à présent paysan ont été dehors déjà, yo pas gon caille priorité, yo pas même accompagné pour font petit business petit yo madame yo dans misère. Et c'est après 20 ans yo choisi pour venir mettre un autre groupe paysan dans misère ça encore. Nous même nous dit non. Et nous avons fait une manœuvre. Dans la manœuvre, nous avons monté un comité pour le Conado. Son comité a dit pour faire développement. Je ne sais pas si c'est qu'on y a zone franche vini. Après 20 ans, c'est qu'on y a zone franche voulait venir faire développement. Et dans le développement, premier ça que monsieur offre nous, il a offert nous courant. Pendant que zone franche vient plus que 20 ans là déjà, il ne peut pas que les gens parlent. Causer courant ça. Yo pas jamais parlé causer courant ça. C'est qu'on y a choisi parler. Et ma petite population, nous pas prenons blanc ça parce que même zone franche pour tête lui, c'est acheter la pour acheter courant. Yo pas capable d'en mettre courant pendant yo même y a pas acheté courant.